Amis la presse, bonjour. Nous comptons recevoir nous pour le premier point de presse moi, dans le local ministère commerce et industrie. Pendant que nous avons une sympathie, nous tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par le tremblement de terre accompagné de cyclones que nous avons eu dans le grand sud là. Nous avons le département sud, NIP et Grandance. Nous avons un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du commerce a envoyé une mise en garde à tout entrepreneur, tout commerçant qui les profiter de situation désastreuse que nous connaissons pour profiter de monter prix produit. Nous avons rappelé que la loi du 20 décembre 1946 li condamné ou bien li interdit dossier marché noir, puisque la loi ça dit clairement: si des entrepreneurs, des commerçants entrent dans la spéculation illicite, ils ont joué une sanction qui arrive jusqu'à 6 ans de prison, ils ont joué une amende qui arrive jusqu'à 100 000 gouttes et ils ont même saisi licencieux dans certains cas. Nous avons rappelé que le ministère du commerce, pendant que nous sommes partenaires, n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger les consommateurs parallèlement, les fêtes. Le ministère du commerce n'a pas rechigné dans ce sens-là et le ministère du commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi, nous sommes mentionnés lundi. Merci beaucoup. Mes amis la presse, bonjour. Nous sommes contents de recevoir nous pour le premier point de presse moi, dans le local ministère du commerce et de l'industrie. Pendant que nous avons une sympathie, nous avons tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclones que nous avons eu dans le grand sud là, ou le département sud, NIP et Grandance. Nous avons un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du commerce a envoyé une mise en garde à tout entrepreneur, tout commerçant qui a voulu profiter de situation désastreuse que nous connaissons pour profiter de monter prix produit. Nous avons rappelé que la loi du 20 décembre 1946 li condamné ou bien li interdit dossier marché noir, puisque la loi ça dit clairement: si des entrepreneurs, des commerçants entrent dans spéculation illicite, ils ont joué une sanction qui arrive jusqu'à 6 ans de prison, ils ont joué une amende qui arrive jusqu'à 100 000 gouttes et ils ont même saisi licencieux dans certains cas. Nous avons rappelé que le ministère du commerce, pendant que nous sommes partenaires, n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger les consommateurs parallèlement, les fêtes. Le ministère du commerce n'a pas rechigné dans ce sens-là et le ministère du commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi, nous sommes mentionnés lundi. Merci beaucoup. Mes amis la presse, bonjour. Nous sommes contents de recevoir nous pour le premier point de presse moi, dans le local ministère du commerce et industrie. Pendant que nous avons une sympathie, nous avons tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par le tremblement de terre accompagné de cyclones que nous avons eu dans le grand sud là, ou le département sud, NIP et Grandance.
nous voyons un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du Commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du Commerce a voyé une mise en garde par tout entrepreneur, tout commerçant qui a voulu profiter de la situation désastreuse que nous connaissons pour profiter de monter prix produit. Nous avons rappelé que la loi du 20 décembre 1946 li condamné ou bien li interdit dossier marché noir. Puisque loi ça dit clairement, si des entrepreneurs, des commerçants entrent dans spéculation illicite, yo ka jwenn sanction qui rive jusqu'à 6 ans de prison, yo ka jwenn amende qui rive jusqu'à 100 000 goud, et yo ka même saisi licence dans certains cas. N'a pas rappelé que ministère commerce pendant que nous sommes partenaires, n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger les consommateurs parallèlement li fait. Ministère commerce pas rechigné dans ce sens ça, et ministère commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi nous saute mentionné à lidi. Merci beaucoup. Mes amis la presse, bonjour. Nous sommes contents de recevoir nous pour le premier point de presse dans le local ministère commerce et industrie. Pendant que nous avons vos sympathies, nous avons tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclones que nous avons eu dans le grand sud là. Nous avons le département sud, NIP et Grandance. Nous avons vos mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du Commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du Commerce a voyé une mise en garde par tout entrepreneur, tout commerçant qui ta voulu profiter de situation désastreuse que nous connaissons pour profiter de monter prix produit. N'a pas rappelé que la loi du 20 décembre 1946 li condamné ou bien li interdit dossier marché noir, puisque loi ça dit clairement, si des entrepreneurs, des commerçants entrent dans spéculation illicite, yo ka jwenn sanction qui rive jusqu'à 6 ans de prison, yo ka jwenn amende qui rive jusqu'à 100 000 goud, et yo ka même saisi licence dans certains cas. N'a pas rappelé que ministère commerce pendant que nous partenaires yo n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger consommateurs parallèlement li fait. Ministère commerce pas rechigné dans ce sens ça, et ministère commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi nous saute mentionné à lidi. Merci beaucoup. Mes amis la presse, bonjour. Nous content de recevoir nous pour le premier point de presse point dans le local ministère commerce et industrie. Pendant que nous avons vos sympathies, nous avons tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclones que nous avons eu dans le grand sud là, ou le département sud, NIP et Grandance. Nous avons un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du Commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du Commerce a voyé une mise en garde par tout entrepreneur, tout commerçant qui
t'a voulu profiter de situation désastreuse ça que nous connaît pour profiter monter prix produit. N'a pas rappelé que la loi du 20 décembre 1946 l'y condamné ou bien l'y interdit dossier marché noir puisque loi ça dit clairement si des entrepreneurs des commerçants entrer dans spéculation illicite yo ka jwenn sanction qui rive jusqu'à 6 ans de prison yo ka jwenn amende qui rive jusqu'à 100,000 goud et yo ka même saisi licence dans certains cas n'a pas rappelé que ministère commerce pendant que ses partenaires yo n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger consommateurs parallèlement li fait ministère commerce pas rechigné dans sens ça et ministère commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi nous saute mentionné à midi. Merci beaucoup. Amis la presse, bonjour. Nous content de recevoir nous pour premier point de presse point dans local ministère commerce avec industrie. Pendant que n'a vos sympathies nous bail tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclone que nous avons eu dans le grand sud là, le département sud, NIP et Grandance. Nous avons un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, ministère commerce a voyé une mise en garde by tout entrepreneur, tout commerçant qui t'a voulu profiter de situation désastreuse que nous connaît pour profiter monter prix produit. N'a pas rappelé que la loi du 20 décembre 1946 l'y condamné ou bien l'y interdit dossier marché noir puisque loi ça dit clairement si des entrepreneurs des commerçants entrer dans spéculation illicite yo ka jwenn sanction qui rive jusqu'à 6 ans de prison yo ka jwenn amende qui rive jusqu'à 100,000 goud et yo ka même saisi licence dans certains cas n'a pas rappelé que ministère commerce pendant que ses partenaires yo n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger consommateurs parallèlement li fait ministère commerce pas rechigné dans sens ça et ministère commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi nous saute mentionné à midi. Merci beaucoup. Amis la presse, bonjour. Nous content de recevoir nous pour premier point de presse point dans local ministère commerce avec industrie. Pendant que n'a vos sympathies nous bail tout le monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclone que nous avons eu dans le grand sud là ou le département sud NIP et Grandance. N'a voyé un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, ministère commerce a voyé une mise en garde by tout entrepreneur, tout commerçant qui t'a voulu profiter de situation désastreuse que nous connaît pour profiter monter prix produit. N'a pas rappelé que la loi du 20 décembre 1946 l'y condamné ou bien l'y interdit dossier marché noir puisque loi ça dit clairement si des entrepreneurs, des commerçants
entrer dans la spéculation illicite. Yo ka jwenn sanction ki rive jusqu'à 6 ans de prison. Yo ka jwenn amende ki rive jusqu'à 100 000 goud et yo ka même saisi licence dans certains cas. N'a pas rappelé que ministère commerce pendant que nous sommes partenaires yo n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger consommateurs parallèlement li fait. Ministère commerce pas rechigné dans sens ça. Et ministère commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi, nous sommes mentionné à l'IDI. Merci beaucoup. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.